Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hunger Game of Sims. Et oui, il ne reste plus que quatre concurrents pour choper le trône du pouvoir. Nous allons tout de suite retrouver nos petits protagonistes. Il reste donc la belle et jolie rousse Sansa Stark. Le moyen beau méchant con Peter Baelish, la superbe, magnifique, monstrueusement géniale Daenerys Targaryen, et le petit con de Joffrey Baratheon. Voilà, donc on verra pas du tout mes préférences, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons avoir des duels pour chacun. On va s'affronter en duel, des duels de sorciers. Eh oui, nos petits protagonistes sont tous devenus des sorciers ou jeteurs de sorts par un petit coup de grisou, un peu, eh bien, un peu magique. Ils sont tous devenus bien des jolis sorciers et sorcières et vont s'affronter chacun un à un. Je pense que je vais faire celui qui aura le plus de duels gagnés. Voilà, et celui qui en aura le moins, eh bien, devra quitter l'aventure. Donc, on va se quitter tout de suite et aller sur le terrain. Évidemment, ce que j'ai préparé, un terrain de combat, de duel. C'est parti. Et nous voilà donc sur le petit terrain de jeu où nos petits Sims vont s'affronter à coups de duel magique. Oui, alors, bah, qui dit magique dit un peu un endroit un peu spécial. Donc, ici, vous savez, c'est un tapis qu'on a dans le pack Monde Magique. Et puis, j'ai installé deux petites chaises pour ceux qui regarderont le duel. Et tout autour, j'ai mis des petits rideaux puisque ça fait joli comme ça. Bon, ils tiennent par la magie, évidemment! Vu que c'est, je vais prendre dans l'ordre en fait, hein. Donc Sansa elle va affronter Baelish, puis Daenerys, puis Joffrey, et après Baelish s'affrontera Daenerys et Joffrey, et Daenerys et Joffrey. Ensuite, ça fera quelques petits combats, hein. J'avoue que voilà, j'espère que ça va fonctionner déjà, ce sera déjà vraiment pas mal. Voilà, ils sont en piste. Alors bien sûr, ce qui est bien dommage, c'est que les rideaux disparaissent, hein, si on en s'approche trop. Ça donne tout de suite un truc vachement moins sympathique. Voilà les spectateurs et nous allons eh bien faire en sorte que Sansa et Baelish s'affrontent. Pour ça, nous allons faire donc un combat de magie. Un duel de magie en duel houleux. Alors, sachant qu'ils sont tous novices, hein, voilà, je les ai pas fait travailler rien du tout. Donc, on va assister à cette petite joute houleuse de magie. Et on va voir, en tout cas, on espérera qu'il y a un gagnant, parce que s'il n'y a pas de gagnant, je suis dans pas caca. Mais bon, voilà, ça commence! Duel de magie. Sansa et Petya. Ah, ouh là là! Pour l'instant, Petyr a l'air de mieux s'en sortir. Oh oui, un petit peu. Juste un peu. Mince, je pensais qu'il lançait des trucs en l'air, mais. Oh là là, Sansa s'en prend plein les patins. Ah, ça y est, elle se rebelle un petit peu. En tout cas, là, ça fonctionne. Il y a de la place. Ils arrivent à se battre. Daenerys est à fond dedans. Joffrey, je ne sais pas où il est, mais. Oh! Mais c'est donc un point pour Sansa! Quel talent! Gagne un duel de magie! Eh bien, c'est génial! Je lui mets donc un point pour Sansa! On va passer tout de suite à la suite. Donc, c'est Sansa contre Daenerys. C'est parti donc avec Sansa versus Daenerys. Un petit combat de magie. Un duel houleux, évidemment, pour plus de piment! Allez, ma belle! Bien sûr, je parle à Dany, hein, vous savez que je suis une pro Targaryen. Dragon forever. Alors, sachant que Sansa, elle a déjà un coup d'avance. Hop là, ok. Pour l'instant, c'est plutôt un partout, j'ai envie de dire, pour les... Ah, mais elle se défend quand même, bon sang! Oh! J'aime beaucoup. Ça, c'est très joli aussi. Bon, les garçons, ils se sont barrés, hein. Oh là là, ma Dany, vite! Oh merde! Oh, je suis tristesse. Et c'est un deuxième point pour Sansa. Je suis dégoûtée. Allez, Sansa, tu vas pouvoir challenger
un duel où la tronche qui fait oh j'ai chaud, le petit Geoffrey hein, que tu aimais tant fut un temps. C'est parti, troisième combat pour Sansa et le premier pour Geoffrey. Qui va s'en sortir? Est-ce que Sansa va en faire un troisième combat d'affilée? Attention. Boum, boum, boum. Oh, mais il s'en sort bien, l'animal. Ah, ça c'est joli. Ça j'aime bien. Oh, il lui a foutu deux taclés. Deux taquets, pardon. Ok. Bon, et ben, c'est encore une victoire pour Sansa. Sansa a donc 3 points et les autres 0. Et ça va être au tour de Petyr et Daenerys. Alors, Petyr, tu vas donc entamer un duel de magie. Oula, ça y est, je re. Houleux! Un duel houleux. C'est parti, mon kiki. Oh, il m'énerve à tous partir les uns les autres là à chaque fois. Ils peuvent pas assister à ça tranquillement. Attention! Bof! Un petit pas de taclé dans les pattes. Deuxième taclé en réponse. Oh, mais elle se défend! Hein, elle se défend, Daenerys. Aïe aïe aïe! Dany! Fous-le par terre! Oui, c'est bien, continue. Fais-lui racler le sol. Ah. Oh là, oh là là là, oh là là, Dany, non. Je suis tristesse. Oh, ça c'est fait. Petyr en duel houleux avec tac. Le petit Geoffrey. C'est parti. Alors. Oh là là. Je crois que Sansa, ça a l'air de lui plaire. C'est vrai que c'était ses deux soupirants, hein. Et ça se tacle, ça se tacle. Hein, les petits pics là. Oh, Geoffrey. Tu t'en sors pas très bien, Geoffrey. Boum, boum, boum! Oh là là! Et un point pour Geoffrey! Allez, au lieu de jouer au téléphone, tu vas faire un petit duel houleux de magie contre Geoffrey. Je t'en prie, ma belle, gagne-le. Parce que là, sinon, c'est mal barré, quoi. C'est très, très mal barré. Allez! Bah, en fait, elle arrive bien à se défendre, mais pour l'instant, elle n'a pas encore cassé la tronche à quelqu'un. Ah oui. Pour l'instant, c'est bien. Elle se défend. Elle sait se défendre, ça. Ah, un genou à terre. Bend the knee, Geoffrey. Ok, j'adore quand ils font ça. C'est bête, mais j'adore ça. Ok. Oui! Madani a gagné enfin un combat! Et eh ben ça, franchement, c'est elle qui allait mourir sinon. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah mon Dieu! Mais elle meurt de chaud et tout! Ils meurent tous de chaud. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Madani? Excès d'énergie magique? C'est pas vrai. Bon. J'ai eu très peur. Pour les comptes, nous avons donc Sansa qui sera relaxée pour ce tour. Et nous allons garder les trois derniers qui sont à un point chacun. Donc pour les déterminer, je vais les refaire combattre chacun avec les autres. Et vu que là, ils sont en état un peu, voilà, ils ont chaud. Et puis Dany, elle s'est fait un peu cramer la tronche. Eh bien, je vais les requinquer et on reviendra. Nous voilà donc de retour sur le terrain. Magie ou Petyr et Daenerys vont s'affronter pour ce premier des derniers duels en houleux. Évidemment, hein, on va pas se cacher, on préfère quand ils se détestent, ces petits Sims. Allez, Daenerys, je compte sur toi, ma belle.
Il est hors de question que tu perdes. Oui! C'était beau. C'était très beau. Ça, j'adore tellement. Boum! Oh non, Danny! Allez! Ce n'est que Baelish. Il tire les ficelles, mais... Hein? Bon, bref, je dis n'importe quoi, moi. Oui! Oui, ma Dani! Oui, ma Dani! Ah, je suis trop contente. Je crois qu'il a une malédiction, c'est ça? Des câlins gênants. Parfait. Allez, tu vas faire un câlin gênant. C'est génial. Toi, tu vas aller t'asseoir, du coup. Et c'est à Geoffrey de venir affronter ce petit pétir. Alors, bien sûr, Sansa, comme je l'ai dit, elle ne fait pas partie de l'équation pour ce second round. Et on va départager les autres. Encore un duel. Duel de gars maintenant. Alors, qui c'est qui aura la plus grosse coucougnette? Sansa est toujours en kiff. Alors. Poum! Ah ouais, elle est à fond, elle, hein? Ah là là, Geoffrey qui fout un taquet. Oui, d'accord. Ça, je dis, j'ai déjà dit 15 fois, mais j'aime trop! Oh! Alors? Moi, ça m'arrange si, de toute façon, si c'est un des deux garçons, ça m'arrange, hein. Qui meurt aujourd'hui. Lequel des deux? Là est la question. Oh punaise! Oh punaise! Un point pour Petyr Baelish. Geoffrey est à terre. Il a reçu aussi une notification. Reçu la malédiction de l'hostilité injustifiée parce qu'il a perdu trop de duels. Et voilà. Et du coup, il se cassane la gueule. Ah mon Dieu, mes élégances! Oh non! Pourquoi vous faites ça? C'est pas maintenant les bastons! Ah oui, c'est lui qui a vaincu Sansa. Sansa, tu peux aller te rasseoir. Baelish, tu as combattu, tu peux aller te rasseoir. Je demande Daenerys, s'il vous plaît. Allez, Dany, c'est l'heure du duel de magie contre Geoffrey. J'espère que tu le gagnes, ma chérie. J'espère que tu le gagnes! Comme vous voyez, de toute façon, je fais que l'interaction de base et ensuite c'est à eux de... Voilà, hein, le meilleur gagnera. Ah, en tout cas, Geoffrey est plutôt mal barré puisqu'il n'a gagné aucun des deux combats. Enfin, aucun des deux combats, oui, soit avec Dany et Petyr, donc... Vas-y, ma Dany! Vas-y, ma Dany! Vas-y, ma Dany! Fous le par terre! Oui! Daenerys 2 points, Geoffrey 0. Oui! Ça me plaît, les enfants. Ça me plaît. Eh bien. Mon Dieu, mais ça y est! Je suis en train de réaliser. Attendez, je vais compter parce que. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire Geoffrey meurt, mais attendez, je vais me recentrer et je vais compter pour voir si c'est bon. Bon, les amis, l'heure est grave, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut échapper à la sentence, puisque effectivement, hein, mes comptes sont bons, c'est bien Geoffrey, le grand perdant, eh bien, de ce nouvel épisode, puisqu'il a en tout, hein, même avec contre Sansa, il a gagné qu'un seul combat. Baelish, il en a gagné deux. Daenerys en a gagné trois. Et Sansa en a gagné trois. C'est donc Geoffrey qui va mourir aujourd'hui. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Allez, on se retrouve tout de suite pour la mise à mort. Du coup, vu que le petit Geoffrey est devenu un sorcier, je vais essayer de le tuer en le faisant beaucoup travailler la magie. Vu qu'il n'a pas le truc des charges, un peu comme Daenerys qui a cramé tout à l'heure, peut-être qu'avec un peu de chance, ça pourrait le tuer sur le coup. Sinon, c'est pas grave, je trouverai un autre moyen, c'est pas un souci. Quand est-ce que tu exploses, petite boule magique d'énergie? Ce serait peut-être temps, là. Oh non, il en peut plus. Mais c'est pas drôle! Regardez, il est tout électrique. Oh! Ça y est! Et que c'est... Ah, oh, mais c'est juste, ils crament un coup, ils peuvent pas mourir. Oh, dites-moi pas. Oh non!
Oh mais c'est nul, on peut pas les tuer comme ça. Sonic! Oh, bon ben retour à la case départ alors, hein. Allez, Geoffrey. Est-ce que ça te dit d'allumer un petit feu de camp? Et de cramer avec! Oui! Meurs! Non, meurs! Ah, mais j'y pense. Il a appris le truc calciné. Mais tu vas calciner ton propre tapis, mon petit! Oh, si ça prend pas feu, c'est pas grave. Tu feras quand même cramer, non, Mehdi. Alors? Oui! Ça y est! Ça prend feu! Ça prend flamme! Vous voyez bien qu'il y a une petite clôture. Ah, il rigole, hein, il rigole, Geoffrey. Ouais, il rira bien qu'il rira le dernier. Pour l'instant, mon petit, tu vas être mal barré, moi je te le dis. Hein? Les flammes de l'enfer te lèchent le visage et les fesses, et tu vas bientôt y cramer. Ah! Oui! Ça y est! Mince! Il a cramé sans cramer! Viens dans les... Non, 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 n'éteins pas, viens dans les flammes. Viens, viens ici, viens ici, viens ici. Oui, t'es un petit peu cramé là, t'es un petit peu roussi. C'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'ils disent les flammes? Non, mais elles vont brûler. Allez, calcine, calcine. Il passe à travers les flammes et ça lui fait rien. C'est une foutue blague. Mais il est dedans, pourquoi il prend pas feu? C'est pas drôle. Ah bah voilà, il a encore explosé. Trop de magie tue la magie. Ah oui, regardez, mais ouais, c'est dommage, ça redescend. Vas-y, mais crame tout. Crame tout, bon sang. Meurs avec. Meurs, 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 meurs. Meurs dans d'atroces souffrances. Ah, alors, l'excès magique, ça fonctionne bien. Ce qui est dommage, c'est que ça ne les tue pas. Donc, pauvre de moi, quoi. À part foutre le feu un peu partout, mais il crame pas. En fait, si, quand il crame, il s'éteint. Donc, c'est vraiment pas drôle. Oh, si, ça y est! Oh, si, ça y est! Il est mouru à travers la clôture, hein, qui finalement ne faisait pas très office de clôture, mais ça y est! Ah, on peut vraiment mourir d'excès magique! Oh la vache, c'était long et compliqué, je vous le dis, c'est... Mais voilà, Geoffrey n'est plus! Quelle bonne nouvelle! Quelle très très bonne nouvelle! La faucheuse est arrivée! Et Geoffrey va rejoindre le petit cimetière de ce terrain avec ses ex-concurrents à la course du trône, bien sûr. Oh non, Geoffrey est mort quand il n'était pas chez lui. Son urne se trouve à cet endroit, milieu de nulle part, comme son âme. Voilà, comme le jeu m'a cut parce que il fallait retourner sur le terrain actif vu que Geoffrey effectivement n'était pas chez lui. Voilà, il nous reste que trois protagonistes dans la course. Nous avons Sansa. Où es-tu, Sansette? Elle est là. Sansa Stark qui est toujours là. Petyr Baelish qui fait un petit peu de baignade. Et la belle Daenerys Targaryen qui est encore une fois aussi dans la micro-piscine trop chelou là. Oui, t'es un peu keblo là, ma belle. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Hunger Game of Sims, d'une autre épreuve qui va faire affronter nos trois Sims finalistes. Hein, ça y est, hein, c'est le podium hein, maintenant. C'est voilà. Alors, ils seront tous sur le podium, mais dans quel ordre, ça reste à définir. Allez, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un like, à partager aussi la chaîne et d'aller voir une petite pub sur YouTube. Salut!